Coucou, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo à propos de la danse orientale et je me suis dit c'est un bon moment ici pour le faire parce qu'il y a encore deux cours qui vont avoir lieu, ce jeudi-ci, 12 décembre, et le jeudi 19 décembre. Et donc si toi tu as envie de te lancer dans la pratique de la danse orientale, c'est le bon moment de commencer. Parce que pourquoi? Mais pas comme ça tout de suite, tu sais, si tu en 2020, tu vas vraiment pratiquer la danse orientale, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc je t'invite à venir tester mon cours. Moi, je donne cours à Bruxelles le jeudi à 12h30, tous les jeudis à 12h30, 15 rue Philippe Lebon, dans la salle Aïkido L'Harmonie. C'est à Etterbeek, près du métro Malbec. Donc, tu es la bienvenue. Le premier cours d'essai, il est tout à fait gratuit. J'ai deux cours. J'ai un cours de niveau débutant. On a commencé en septembre. Donc, tu peux nous rejoindre, même encore en janvier, parce que c'est un cours débutant qu'on a plus ou moins facile à rattraper. Et il y a un deuxième niveau. C'est un niveau moyen avancé, selon qui vient au cours. Et donc, si toi, tu n'es pas débutante, que tu as déjà fait quelques cours ailleurs et que tu as envie de tester, bah, tu testes les deux cours. Comme tu veux, là où tu te sens à l'aise, tu es la bienvenue. Et moi, je maintiens le niveau du cours, évidemment, à toi de savoir si tu sais suivre ou non. Et voilà, je voulais proposer cela parce que je donne les cours de danse orientale depuis 30 ans, je pense, quelque chose comme ça. J'étais une des premières à Bruxelles à commencer à donner cours. Ce que j'ai remarqué et ce que j'enseigne, je ne sais pas m'empêcher de le faire, que la danse orientale, c'est une vraie thérapie, un vrai médicament. C'est une joie de danser ça. Tu expérimentes la sororité, il n'y a pas d'homme dans mon cours. Tu expérimentes cette sororité et cette ambiance, cette bienveillance qui est là, te permet d'être pleinement femme, te permet de essayer les choses, de te sentir forte, de laisser un peu aller les choses et de sentir vraiment dans ton corps cette force, cette puissance et cette douceur, cette tendresse en même temps. Pleinement femme, pleinement féminine. Et j'enseigne aussi, j'ai des cours comme ça, sauf que là, c'est en cycle fermé, donc tu ne peux pas nous rejoindre maintenant. C'est un cours sur le féminin sacré. Et pour moi, ça va totalement de soi. C'est vraiment imbriqué la danse orientale avec le féminin sacré. Mais j'en ai fait un cours à part, parce que dans ce cours-là, j'en parle juste pour te donner envie, en fait, parce que moi j'adore, franchement. Dans ce cours-là, nous allons sortir un peu de la danse orientale pour revenir après, mais sortir pour pouvoir encore plus lâcher les choses, encore plus expérimenter les choses par d'autres techniques un peu rigolotes ou un peu amusantes ou plus en profondeur, hein, comme des méditations guidées ou l'exercice de yoga du rire ou du yoga tout court. Voilà, il y a plein d'exercices et plein d'émotions. C'est très touchant. Et je ne peux pas faire autrement que quand j'enseigne la danse orientale, de mettre des éléments là-dedans, où je vais t'apprendre, voilà, cette partie-là de ton corps, c'est tes émotions, là tu portes le poids, etc. Dans ton dos, tu as une carapace parce que c'est ton passé. Enfin, tout le corps est une symbolique qui parle, où ta vie se reflète, et moi je connais ce langage et je te l'enseigne. Et en même temps, tu apprends la danse orientale avec cette musique magnifique, les rythmes extraordinaires, ces prières qui se trouvent dans la flûte, ou la puissance dans les percussions. On pourrait en parler pendant des heures. Si tu aimes déjà la danse orientale, tu sais parfaitement de quoi je parle. C'est une passion que je dis toujours attention, c'est contagieux. Et attention, peut-être tu vas faire un cours et ça t'arrive comme moi, tu sais plus arrêter. Et franchement, je te conseille au moins une fois dans ta vie essayer la danse orientale. Je suis allemande, on va se dire comment est-ce qu'elle va pouvoir m'enseigner la danse? Eh ben oui, parce que moi j'ai dû tout apprendre, j'ai dû désapprendre les années de ballet que j'ai fait, de danse de salon et de danse classique que j'ai fait. J'ai dû déprogrammer, si tu veux, mon corps pour apprendre la danse orientale et comprendre la logique totalement inverse. Donc, j'ai les deux côtés. J'ai le côté où je peux expliquer les choses, je peux t'expliquer même la symbolique, et le côté où je peux improviser. Parce que maintenant, après autant d'années, c'est simplement là. C'est simplement là, mon feeling est là, je sais ce que je veux exprimer.
Donc voilà, j'ai les deux et c'est pour ça que moi je suis une très très bonne personne pour t'apprendre la danse orientale. Parce que quand tu vas me dire, Oudrun, décortique-moi ça, explique-moi ça, je ne comprends pas ce que tu fais, si je vais pouvoir te l'expliquer, je vais pouvoir le décortiquer, non seulement ça, je suis aussi coach somatique, je vais pouvoir te dire dans ton corps, nous avons tel et tel et tel et tel blocage à cause de tel et tel et tel vécu, à cause de tel et tel et tel émotion, et tout ça c'est pas grave, on va danser ça en dehors de ton corps, on va enlever les nœuds, on va avec la joie et l'énergie et la magie de la danse orientale, on va, comment je vais dire, je peux pas dire guérir, hein, puisque je suis pas docteur, mais en réalité, je crois qu'il y a quand même quelque chose de totalement magique qui se passe dans ces cours et dans la danse orientale. Donc, je t'invite à découvrir ça, ou si tu as envie de rajouter un cours, parce que sur l'heure de midi, tu as un peu de temps. Mais viens, viens, tu es la bienvenue et on va voir si c'est contagieux tout ça. Moi, je suis convaincue et attention. Donc voilà, tu as le jeudi, ce jeudi-ci, tu as le jeudi prochain, le 12 décembre et le 19 décembre. Et bien sûr, tu es aussi la bienvenue l'année prochaine, mais viens maintenant, viens maintenant. Viens faire un petit essai et on se revoit bientôt. Bisous.